pas cette équipe de Tourcoing. Donc, premier set rodage, après bon, on a pu dérouler, donc c'était plus facile pour nous. Sinon, belle équipe de Tourcoing, bon, ils ne sont pas déplacés avec tous leurs joueurs apparemment. Donc, on verra au match retour, encore quelques matchs et on va attendre le résultat de Lyon contre Villejuif qui joue cet après-midi. Là. Donc ce serait pas mal que Lyon gagne. Comme ça, on aurait un petit match là d'avance, ce serait pas mal. Oui, c'est vrai que vous êtes leader là. Pour l'instant, on vous sent assez serein. Oui, surtout à domicile. Hein. On n'a pas perdu un match ici, donc on sait qu'il faut qu'on fasse un sans faute ici déjà. Prendre le maximum de points. Et ça devrait aller, oui, on est confiant, on a une belle équipe, on s'entend tous bien. C'est sûr, on a des baisses de régime pendant le match des fois, mais c'est normal, je pense. Non, mais ça se passe bien pour l'instant. Ouais, c'est vrai que Tourcoing, bon, c'était une réserve de jeunes amputée de beaucoup d'éléments qui jouaient à Rennes soir. Et bon, c'est pas un match référent, c'est pas un test. Hein. Le grand test, ce sera contre Villejuif, hein, de toute façon, on le sait, le prochain match. Je crois qu'on va là-bas, oui, on va là-bas. Donc il faudra être solide, puis on verra bien. Ouais, vous ne jouerez pas à domicile avant le mois d'avril, est-ce que j'ai vu Paris Saint-Cloud et Villejuif? Ouais, on a une petite trêve là, de toute façon il nous reste deux matchs à domicile, ensemble, hein, c'est ça. Deux ou trois d'ailleurs, ça va plus. Et de toute façon, une petite trêve, ça va nous faire du bien. Parce que, c'est vrai qu'on a quelques bobos à soigner quand même. Parce que bon, la saison est longue quand même, et bon, on est plutôt jeune, hein, déjà et tout ça. Donc pas mal de récupération je pense pendant ces semaines et puis on va attaquer les Juifs, on va essayer de prendre le max de points contre eux. T'as été étonné qu'ils perdent déjà un match les Juifs? Étonné, oui, plus ou moins étonné parce qu'on pensait qu'ils allaient faire un sans faute et que ça allait jouer entre eux et nous, mais on savait que CNC et Lyon dans notre pool étaient très bons et qu'ils pouvaient mettre en difficulté certaines équipes de l'autre pool. Demi-surprise quand même, une bonne surprise aussi.